Salut tout le monde et donc bienvenue sur Star Wars Galaxy of Heroes. Et donc cette fois-ci on va voir un peu le kit reveal donc du coup de Gideon, de Dark Trooper Moff Gideon plutôt. Donc c'est quand il est en Beskar je crois, dans la dernière saison de The Mandalorian. Donc on savait qu'il allait sortir, il y a eu des petits teases etc. Donc c'était un peu obvious. Il vient d'être annoncé et du coup on va voir ensemble. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Le perso en vrai a l'air plutôt pas mal. C'est juste sa team qui est assez étrange. On verra ça après le kit reveal. Vous allez voir que en tout cas actuellement les persos sont pas idéales pour une team, mais il a l'air d'avoir des petits trucs supplémentaires à mettre qui peuvent être sympas. Et on va voir. Donc du coup c'est un Dark Trooper. Alors est-ce qu'on voit ma souris? Oui. Dark Trooper, donc Moff Gideon, Dark Side Tank Leader, Empire et Vestige de l'Empire, donc Imperial Remnant. Donc il a trois sorts, il a des Omicron et des états, mais c'est plus pour de la guerre des territoires, donc c'est pas non plus une obligation. C'est qu'un bonus, bien évidemment, vous pouvez si vous voulez, mais voilà, c'est qu'un bonus. Je pense que ça fera quand même le taf sans, mais on verra si c'est comme une Fulcrum, genre avec son Omicron, bah ça change complètement. Parce que je crois que Fulcrum, de souvenir, c'est avec son Omicron, Zeta, Relique et tout, c'est une tuerie en TW, mais bon, le problème c'est qu'il faut bien la Relique. Donc du coup, ça on s'en fout pour l'instant, on veut voir d'abord ses sorts, enfin ses capacités. L'aptitude de base, lance de force, inflige des dégâts physiques à un ennemi ciblé, gagne une pile d'insight, donc l'insight je pense que c'est... Alors je vais peut-être dire une connerie, donc je préfère aller traduire vite fait. Hop, j'ai oublié un i. Aperçu, ok. D'ailleurs, j'ai pas ma traduction, c'est bizarre. Il ne fait plus ma traduction le. Ok, si. Donc du coup jusqu'à 4, jusqu'à la fin de la rencontre, si la cible avait Days, Offense Down ou Stagger, donc en gros si ils avaient étourdissement, attaque, réduction d'attaque ou Stagger c'est surpris ou un truc comme ça. Il étourdit donc du coup la cible, je crois que c'est confusion, surpris et... attaque réduite, je sais jamais, Days et Stagger, avec le temps, vous savez que j'ai un peu du mal à les traduire. Cette attaque inflige 10% de dégâts supplémentaires pour chaque debuff sur l'ennemi ciblé, donc ça peut être cool en vrai. Ça fait des dégâts corrects, je pense. Après, il faudrait voir combien ça fait de base, mais voilà. Attends, il se regène pendant... Ah ouais, il se regène quand il attaque, ok. Assaut stratégique, donc Omicron, cooldown de 3, déverrouillage quand il est gear 2. Inflige des dégâts physiques à tous les ennemis, supprime 10% de turn meter pour chaque pile d'insight qu'il a. Et ça ne peut être donc du coup esquivé. Moff Gideon perd toutes les piles d'insight une fois qu'il a utilisé ça donc. Et dans les guerres de territoire, donc TW, il inflige des dégâts réels supplémentaires et supprime 10% de tours supplémentaires pour chaque pile d'insight sur Moff Gideon. Il inflige à tous les ennemis une immunité aux soins pendant 2 tours à laquelle on ne peut ni résister ni les dissiper. En vrai, c'est sympa, mais je sais pas si j'irais mettre un Omicron pour ça, quoi. Je sais pas. Genre juste ça c'est pas mal. Le truc de TW ça peut être bien, mais en tout cas ça me donne pas suffisamment envie pour le faire quoi. Ça se fait 2, donc du coup sa dernière capacité qui est un Zeta, présence inébranlable, qui se débloque au Gear 4 avec 4 de cooldown. Tous les alliés gagnent en précision et en défense pendant 3 tours. Dark Trooper Moff Gideon se moque pendant 2 tours. Ah, c'est taunt, non? Attendez. Voilà, taunt pendant 2 tours. Ce qui ne peut être dissipé et empêché. Désolé, j'ai le nez un peu bouché. Récupère 30% de santé de protection et appelle un autre allié ciblé à l'aide. Donc ça, c'est cool. Du coup, ça fait un tank pour Vestiges de l'Empire. Peut-être qu'on en aura d'autres par la suite des Vestiges de l'Empire. Mais en attendant, vous allez voir que les persos sont pas si fous que ça. Voilà, désolé. Donc si le Dark Trooper Moff Gideon est dans l'emplacement leader, donc ce qui sera
possiblement tout le temps le cas, même si, sauf si on le met dans une team Mandalorian, vous allez voir. Les alliés impériaux vaincus sont réanimés avec 100% de santé, de protection et de furtivité pendant 2 tours. Sinon, les alliés mandaloriens du côté obscur vaincus sont réanimés avec 30% de santé, de protection et de rétribution. Donc ça peut être vraiment, vraiment cool. Ça veut dire... Je vais aller voir vite fait. Sur GOH. Personnage. Vous avez vite entendu le jeu. Hop, Mandalorian. Attendez, je vais vous montrer en même temps. Voilà. Mandalorian. Là. Côté obscur, on a quoi? On a Gar Saxon, on a Jango Fett, Canderous, Maul. En vrai, il y a Super Commando Impérial aussi. Il y a peut-être moyen de faire une bonne équipe, genre Canderous, Maul, Jango, Dark Trooper. Ça ferait 1, 2, 3, 4. Il traite Gar Saxon, je pense. Je sais pas ce qu'il donne lui. Ouais, ok. Un fil dissipe toutes ces améliorations, un fil de l'immunité. Je pense que. Je pense que lui sera sûrement mieux de base. Mais du coup, ça sera possiblement. Je pense plus à une team Mandalorian obscur qu'à une team Vestige de l'Empire. Parce que vous allez voir, Vestige de l'Empire, le problème c'est que Death Trooper est utilisé pour Iron Trooper. Le Storm Trooper, pourquoi pas. Moff Gideon, il est utilisé pour Soldat de l'Empire et Dark Trooper aussi. Puis après, il reste juste le Scout Trooper. Mais du coup, ça pose un peu de problème parce que le Scout Trooper, en vrai, il a possiblement une place pour une Iron Trooper. Donc ça, c'est à voir. Mais il y a possibilité qu'il apporte un gros plus à... comment ça s'appelle à la team d'Aiden et le reste, je dois avouer qu'il y a juste un voire deux persos que tu peux genre vraiment te dire pourquoi pas, mais le reste sinon non. Donc il y a une très pour moi il y a une grosse possibilité que il aille plutôt dans une team Mandalorian obscur, hein. Je pense qu'il y a fortement moyen. Armure Beskar du Dark Trooper, donc c'est un Zeta aussi. Le Dark Trooper, Moff Gideon a 100% d'évitement critique, donc il esquive à 100% les critiques. 50% de def, 30% de santé maximale et protection maximale. Donc en gros, il prend jamais de crit si j'ai bien compris. À la fin de son tour, il récupère 30% de protection. Chaque fois que le Dark Trooper Moff Gideon est vaincu, s'il possède 4 charges d'insight au plus, donc tu peux en avoir plus de 4, ok. Il récupère 100% de sa santé, perd toutes les charges d'insight et l'allié non légende galactique le plus faible est vaincu à la place. Donc il meurt à la place de quelqu'un d'autre en gros. Enfin, quelqu'un d'autre meurt à sa place. Si un chef allié est un Mandalorien obscur, le Dark Trooper gagne. Moff Gideon gagne 25% d'attaque. Les alliés Mandaloriens du côté obscur récupèrent 20% de protection à la fin de leur tour. Ok, bon, à mon avis, il ira très certainement dans une team Mandalorian. Le Dark Trooper Moff Gideon gagne 30% de santé maximale, donc ça c'est guerre de territoire, 30% supplémentaire, récupère 100% de protection lors de son premier tour, il commence sa bataille avec provocation pendant 2 tours, donc ça c'est cool, c'est un peu comme le Short Trooper, qui ne peut être dissipé ni empêché, et 4 charges d'insight, donc il a direct les 4, chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne un cumul d'insight jusqu'à la fin de la rencontre, donc, ah non c'est max 4, ok. Mais il me semblait qu'ils avaient dit au-dessus que tu pouvais en avoir plus, donc faudrait voir. Son leader, alors, si les alliés non-droïdes impériaux, donc c'est forcément sans le Dark Trooper, enfin, on évite. Restants, donc qui sont toujours là, ont 75% de chances de coups critiques, dégâts critiques, de défense et d'attaque. Donc c'est full bourrin, ça risque de faire mal si on le met en leader. Le problème c'est qu'il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas de vie, il va falloir contrer ça autrement. Si tous les alliés étaient des vestiges impériaux au début de la bataille, chaque fois qu'un allié gagne ou perd du turn meter ou un tour bonus, il récupère autant de santé et de protection. Donc ça
peut être cool. En vrai, ça peut être sympa, faut voir ce que ça donne. Chaque fois qu'un ennemi gagne un tour bonus ou un tour. Oui, du turn meter ou un tour bonus, quoi. Il perd 10% de défense, d'attaque et de turn meter jusqu'à la fin de son prochain tour. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc en gros, quand il y aura des attaques, des assists, ils perdront de la défense, de l'attaque et du turn meter. Donc why not? Et du coup, quand il utilise une capacité spéciale, tous les alliés gagnent 10% d'attaque et de défense, qui se stack donc du coup jusqu'à la fin de la rencontre. Ce qui est plutôt bien, ça peut vraiment faire beaucoup, c'est plutôt sympa. Sachant qu'il a plutôt il a des CD assez courts. Chaque fois que le Dark Trooper Moff Gideon commence son tour, tous les Moff Gideon. Attendez. Ah si, c'est ça. All Allied Moff Gideon gagne un stack d'insight à la fin de leur tour. La première fois que chaque allié est vaincu à chaque rencontre, les vestiges de l'Empire gagnent 100% de turn meter. Quand dans une guerre de territoire, les alliés vestiges de l'Empire non droïdes ont 75% de vie et de maîtrise et 30 de speed. Ok. Quand un allié vestige de l'Empire taunt, il dispelle tous les debuffs de tous les alliés et tous les buffs sur tous les ennemis. Ok, ça c'est fort par contre. Quand un vestige de l'Empire allié revit, il gagne un bonus de turn meter. Enfin, un tour bonus. Inside, ça. Ouais, il gagne des effets selon le nombre de stacks. Ok, en vrai, j'avoue que ça peut être bien. En fait, je veux dire, il propose quelque chose de correct. Le problème, c'est qu'on a déjà des grosses teams. Je vais vous montrer. Le problème, c'est qu'on a déjà des grosses teams à côté. Donc, on a derrière déjà l'Imperial Trooper. Hein, on va pas se mentir, elle est très bien comme ça. Peut-être à la place du Range Trooper. En vrai, il y a moyen qu'à la place du Range Trooper, ça soit bien. Il y a de fortes chances qu'en vrai. Et du coup, tu bougerais. Ouais, mais non, ça veut dire. Au final, je suis en train. Pardon. Je suis en train de voir, mais au final, en vrai, tu bougeras. Ça veut dire tout sauf Bob Gideon et Dark Hopper, donc c'est un peu chiant. Non, le truc, c'est que, ouais, en fait, t'as déjà tout ici, je vois pas. Enfin, je vois pas pourquoi tu changes. Pour moi, c'est. On va faire un nouveau truc vite fait. Donc pour moi, techniquement, il irait. Bon, on va prendre un Mando au pif, hein, on s'en fout. Mais il irait. Donc du coup, imaginons que Beskar Mando, c'est Dark Trooper Moff Gideon. Donc pour moi, la team, ce sera un truc comme ça. Voilà, ça, ce sera la team. Donc du coup, Dark Trooper Gideon. Meuf, Gideon, ouais. Bref, on s'en fout. Le problème, c'est que du coup, en fait, ça, déjà, en vrai, c'est plutôt pas mal parce que c'est des personnes. Il y a quelques persos que tu savais pas trop quoi en foutre, comme Django et Kanderous. Le problème, c'est que Django peut être bien avec Trench, je crois, et Kanderous, tu le laissais un peu de côté. Maul était plus pour élever. En fait, c'est ça le problème, c'est que dans les deux cas, tu sais pas trop quoi le faire parce que la quasi-totalité des persos sont déjà quelque part. Et genre là, si on part sur Vestiges de l'Empire, c'est ça. Hop. Du coup, je vais le renommer vite fait pour que ce soit plus simple à comprendre. Je l'ai écrit en anglais l'autre, Vestige de l'Empire. En fait, le problème, c'est que dans les deux cas, t'as quasi la totalité des persos qui sont déjà utilisés. Genre là, le problème, c'est que Maul est déjà utilisé. Jango Fett peut l'être, mais en vrai, t'en fous un peu si. De le mettre avec Trench. En général, Trench, tu vas le mettre. Tu vas surtout le mettre à certaines occasions pour counter certains trucs. Mais
Disons que sa team à lui seul est pas non plus insane. Enfin, si, en vrai, elle est très bien, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas plus l'utiliser pour counter des GL ou des trucs comme dans les genres. Genre, Trench avec Geonosien, 100 mètres, je crois. Comment il s'appelle? Poggle, bref, pour counter un perso, je me souviens plus. Je crois que je l'avais mis là. C'était. Voilà, c'est celui-là, c'est pour counter Ray. Et je... Ah, si tu mets Poggle, mais c'est dans lequel? Voilà, c'est celui-là que tu ne mets pas parce qu'avec son. Ok, ouais, c'est. Bon, c'est celui-là, tu ne mets pas Poggle parce que le fait de perdre de l'ATM, tu l'en fais gagner, et du coup, c'est impossible. Ou une connerie genre. Mais du coup, ouais, c'est le problème en fait, c'est que la plupart des persos qu'on a qui peut-être aller avec lui, bah, ils sont déjà utilisés. Et du coup, t'as pas forcément une vraie team. Genre là, tu peux faire genre Scout Trooper et Stormtrooper. Ou alors un mélange des deux, mais. Du coup, ça ferait. Bon, on va reprendre. On va reprendre Beskar en. Deux. Bon, d'ailleurs, faut que je monte G12 en vrai. Ça, et du coup. Vestige de l'Empire. Du coup, ça ferait quoi ça? En team finale. Est-ce qu'ils vont ensemble? Ça, c'est ça, faut voir. Le problème, c'est que en vrai, non, ou alors tu le mettras forcément dans une autre team, quoi. C'est ça que je suis en train de me dire. Ah, je suis en train de me dire, mais en vrai. Alors, attendez. Ouais, non. Moi, je voulais voir. Voilà, passif. Ouais. Je sais pas. J'avoue que je sais pas trop. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire parce que j'avoue que je suis un peu perdu sur sa team, savoir un peu. Oh non. Oh, encore un perso conquête. Ah, c'est une horreur. Je sais pas pourquoi ils font ça. Alors, en guerre. Alors, donc, apparemment, ils disent des trucs en guerre de territoire. Oui, Imperial Remnant. Mais bon, ça reste la même chose. En grande arena. Nous savons que Aiden avec son Omicron aime utiliser. Donc, du coup, ouais. Donc, sa synergie avec les Mandaloriens pour aider à promouvoir une option. Ah, ouais, donc c'est bien ce que je pensais avec les Mauls, ouais. Mais du coup, le problème, c'est que Bo-Katan et tout, bah, servira à rien, puisque je crois que de souvenir, Bo-Katan était dans la team. Ouais. Bah, j'avoue que je sais pas. En fait, je sais pas quoi en penser. Hein. Déjà, le perso pour moi n'est actuel à l'heure actuelle n'est, enfin, sans les persos ou autres, n'est pas aussi fort, n'est pas assez fort pour être considéré en tant que conquête. Un peu, comme... à mon avis, il va être un peu comme Boba Fett, Sion de Django ou héros de Django ou quelque chose du genre. Le problème ou héritage, je crois, héritage de Django. Mais ouais, pour moi, il n'est pas. Il n'est pas. Je vais pas vous mentir, il n'est pas. Il est pas fou. Hein. Il propose des bons trucs, mais la plupart sont déjà utilisés. Sont déjà vachement utilisés pour plein de trucs. Donc pour plein de teams. Donc je sais pas quoi en penser. Écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Sur quoi ça peut aller, etc. J'avoue que. En vrai, il propose des. Bah, comme j'ai dit, il propose des bons trucs, mais ouais. Donc quoi. Ouais.
Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, comme j'ai dit, ce que vous en pensez, ce que vous pensez qu'on va pouvoir faire avec, etc. Et puis je vous dis donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde!